Bah, re tout le monde, je sais pas si je suis revenu, faites-moi un signe. Bonne soirée à toi, Mimi. Je ne sais pas. Bonne soirée à toi, en tout cas, merci d'être passé sur le stream, c'est bien cool. Et bah, désolé pour ces crashs intempestifs, c'est pas la journée. Hein. Là, aujourd'hui. C'est ça, aujourd'hui c'est un truc de fou. Si j'ai pas fait 10 crashs aujourd'hui, j'en ai pas fait un seul. C'est un truc de grand malade. Va-t-on savoir pourquoi? J'en sais rien. Je pense que demain matin je vais redémarrer la box, histoire de vider le cache. C'est un vrai bonheur que de streamer dans ces conditions-là, c'est. Enfin bon. Donc, hop. C'est reparti. Donc, subjugué par le streamer émérite Aspirine, on continue notre épopée sur Mad Max. Enfin, ouais, tu parles d'une épopée. C'est la connexion qui est apocalyptique, c'est même pas le jeu en fait. C'est un truc de psychopathe. Moi, j'arrive un peu à saturation là, de ces crashs. C'est usant quoi. T'as tout pour que ça se passe bien et ça se passe jamais bien. Là, en ce moment, mes streams commencent à Ils commencent à se détériorer un truc de fou à cause de Mako, des plantages, de tout ce que tu veux et du coup ça fait pas. J'ai horreur de ça. Raccrocher en tant qu'être. Ah d'accord, alors maintenant bah tu vois c'est bien ce que je dis, il y a toujours un truc qui va pas, maintenant c'est le chat du stream qui déconne. Salut Nico. Salut Nico, comment ça va? Pas le stream, pardon, le chat. Je vais y arriver, je vais y arriver. Alors, voyons voir, on va faire pause. Chat. Hop. Hop. Bon, bah ça va encore mettre trois plombes. C'est un vrai bonheur. Voilà.
Comment vas-tu, Nico? This might fool them. On va prendre ça. Il n'y a pas la nitro par contre. Du coup, il faut que je rattrape les autres. J'ai pas mon pote avec moi. Ok, d'accord. Donc en fait le truc dans le jeu c'est que si tu veux avoir toutes les bagnoles, oh, par contre elles se conduisent vachement bien. Si tu veux avoir toutes les bagnoles en fait il faut désinguer les mecs et les merci d'être le Keybower pour Beware pour ton follow, bienvenue à toi. Ah bah joli, oh bah magnifique. Magnifique. M'en fous, je te lâcherai pas, elle est efficace la voiture. Il y a de l'essence. Avec ses pics, elle est assez violente et en plus tu lâches des trucs. Alors, je sais pas ce que c'est. On dirait des shurikens géants. Et en plus, ça se conduit plutôt pas mal. Contre les pics, d'accord, ok, donc les pics par contre ça sera mon prochain achat sur ma bagnole, plutôt efficace. T'as besoin d'aide? Dis-moi. Pourquoi? Si je peux répondre à ta question, je t'aiderai. Le jeu est plutôt banco ou pas banco? Ah, tu veux savoir si tu l'achètes ou pas? Bah écoute, moi perso, je le conseillerais. Plutôt efficace comme game. Moi je le trouve vraiment vraiment très complet, excellent le mec, il s'est fait embrocher sur les pics et il est toujours accroché à la bagnole. C'est magnifique. Après écoute, je te laisse regarder, hein, c'est à toi de voir. Bah, je crois qu'elle a explosé la voiture. Pas facile l'affaire là. Faut que je me débarrasse de toutes les autres bagnoles avant de pouvoir finir l'autre.
sans os, par contre, on voit tout de suite la différence. C'est plutôt compliqué. Ah ouais, non, franchement, moi perso, j'adhère aussi. Il est vraiment, vraiment génial. Bon, alors, il n'y a pas que des courses de bagnole. Hein. Là, je fais ça parce que je suis parti sur un run 100%. Allez! Je veux le NOS. Je vais mettre des pics sur ma voiture. Donc, il me faudra un blindage aussi parce qu'elle n'est pas super résistante. La petite. Elle est plutôt sympa. Mais pas super résistante. Ils sont où? Ils sont là. Allez, boost. Allez, dégage aussi toi. Voilà. Ok, ça c'est bon, c'est fait. Ah bah non, c'était pas fait. Un petit coup de fusil à pompe bien placé. Non, c'est pas que de la course poursuite, c'est juste que là, voilà, c'est moi je fais un run 100%, donc tu vois, je récupère un petit peu tout, je me balade, je fais tous les camps, je fais tout, de la recherche, de l'explo. Ça, c'est le genre de jeu où je prends plaisir à le faire à 100%. Donc, on va en manger pendant quelques heures, hein, parce que là, j'en suis bientôt à maintenant une dizaine d'heures de jeu, et j'ai pas fait grand chose. Du moins je pense hein, qu'il va y en avoir encore pas mal. Parce que j'ai fait que deux territoires. Allez, on va aller à l'arrière. J'ai fait que deux territoires. Et en fait il faut, parce que tu vois, tu récupères du métal. Et le métal te permet à booster en fait tout. Le perso, la voiture. Salut Luxa. Non, c'est en solo. C'est en solo. Donc hop, faut que je fasse venir ma voiture. Ok, alors, on va s'occuper de la voiture. Alors ça c'est ce que j'ai, ça c'est le bestiaire, on va appeler ça comme ça, hein. C'est le bestiaire de tout ce qu'on peut rencontrer, voitures, ennemis, les lieux et ainsi de suite. Donc il en reste pas mal à découvrir encore, bien qu'on en ait fait une bonne partie. Voilà, donc là on parlait des capacités du perso, donc ça c'est les capacités du perso qu'on va booster. Hein, hein, les points infligent 30% de dégâts supplémentaires, 125. Bon, ça, 125, ça va. Plus de munitions, oui. Une nouvelle cartouchière. Modifier la tête. Ah, alors ça, c'est gratuit. Donc, on va jeter un œil. Qu'est-ce qu'il ressemble à quoi? Waouh, c'est tout pas beau. Je vais le laisser comme ça. Il est très bien comme ça. Ça fait vachement plus apocalypse. Ça c'est quoi, fusil? Ajoute un troisième canon, réduit le temps de rechargement, augmente les dégâts de chaque tir de 25%. Ça c'est très très bien ça. Hein, acquérir de nouvelles compétences, donc ça c'est les combos qu'on déverrouille. Sauf que ça coûte vachement cher. Hein.
Ah, ça par contre, ça m'intéresse. Désarmer l'attaquant. Ok, et on va mettre le reste dans la voiture. Blindage. Toujours pas accès au blindage. Classique des terres désolées. Ok. Ouais, blindage léger. On s'en fout un peu. Le moteur, on s'en fout. Les échappements, on s'en fout. Qu'est-ce qu'on a de nouveau? Juste ça. Oh, mais c'est ridicule. Des pics sur la voiture, les pics sur la voiture, voilà. Sniper, sniper. Temps de rechargement réduit de 25%. Ouais, ça pourra peut-être être utile. Pour l'instant, je sais pas. Le harpon. Temps de rechargement, ça par contre, ça m'intéresse. Ouais. Sauf que là, j'ai dépensé de l'oseille pour rien. J'aurais pu acheter directement celui-là. Harponnage, structure solide. Ça par contre, ça m'intéresse. Ah, mais j'aurais d'accord, ok. Déverrouiller l'autre aussi. Sauf que là, j'en ai jamais assez. Nœud non protégé, structure renforcée. Ok. Harpon de feu, pas débloqué. C'est tout. Ils sont où les pics là? Ils sont où les pics? Ah, c'est tout. C'est juste ça là? Les deux petits pics là, là? Oh, c'est naze. C'est un truc de fou, je m'attendais à, je sais pas moi, une bagnole recouverte de pics et tout. Oh, je t'ai vu arriver toi. Sa bagnole a fait un bruit de tank. Non! J'aime pas les canyons, je sais pas conduire dedans, c'est horrible. Sauf que là, j'ai de la nitro. On peut récupérer une route là, s'il vous plaît? Que je vois où est-ce que je dois aller. Merci. Alors, donc ici c'est fait, il me reste plus que. Bah, il me reste plus que celui-là. Alors par contre, si je veux avoir maintenant des balles de sniper. Et ça par contre c'est cool parce que c'est ce qui me manquait pour pouvoir le faire tout à l'heure. T'es encore là toi? Oh mais c'est pas possible ça. Oh là, ouais, la bagnole, comment elle prend cher, vivement le blindage. Parce que là. Une voiture elle tombe en ruine. La voiture elle tombe en ruine. Éjecte-toi. Mais non, on va pas exploser. Regarde, hop, un petit coup d'extincteur. Donc vous pouvez pas détruire la voiture, c'est pas possible. Par contre, vous pouvez mourir à rester dedans quand vous voyez le chrono qui vous dit que vous êtes à bout, quoi. Enfin que la voiture elle en peut plus. Ça c'est un jerrycan d'essence, mais je m'en fous. C'est tout? Il n'y a même pas une pièce de métal. Ah, c'est quand même. Il n'y a même pas un peu de métal.
Salut les pins. Les lapinceaux crétins. Salut, comment tu l'as eu sur PC? Il sort pas le 3? Non, non, il sort pas le 3. Il est sorti cette nuit. Il est sorti cette nuit à 1h du matin pour être précis. Je l'avais précommandé. Alors, il faut que je le détende. Il y a des snipers. Mais je t'en prie. Ouais, je sais qu'il y a des snipers. Boss has gotta go. Oh, j'ai qu'une balle. Non mais c'est une blague. Si j'ai qu'une balle aussi, ça va pas aller du tout parce qu'ils font super mal. Il faut que je détruise ça là, les machins qui balancent des. Je suis pas du tout au bon endroit. On fume, va-t'en. Fuyons les amis, fuyons. Ok, alors là, hop, lui c'est fait, les mecs, on peut les aussi les tuer comme ça. Voilà, ça c'est fait. Ok, ça c'est bon, alors on va détruire les tourelles comme ça. Allez, recharge, dépêche-toi. Non mais les gars, on se détend là, s'il vous plaît, on se détend. D'accord, ok. Ah, et puis les tourelles, elles ont une portée de psycho. Non! Non! Oh, les trucs ça tire dans tous les sens, il faut que je boive. Sinon je vais mourir. Et oui, c'est bien connu que l'eau c'est la vie. Hein. Donc bah voilà, il faut boire. Ah mais. Ok. Et bah c'est pas comme ça que je vais survivre. Amène-moi ma bagnole ici. Il faudrait que j'arrive à détruire les deux tourelles. Le truc, c'est que j'ai plus de munitions. Alors hop, j'ai plus d'eau non plus. Oh, la blague. La voiture, elle prend assez cher. Oh, mais ça. Bon, ça va, j'ai réussi à l'avoir avant que la voiture elle prenne trop cher. Il m'en reste plus qu'une à des pop, après je serai tranquille. Et après, je vais pouvoir infiltrer la base et aller me faire un boss.
Et oui, il y a des boss dans Mad Max. Il y a des boss. Oh, the angel sings again. Wow, 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 wow. Hey, the car. Chumbucket, come here. Allez, ramène-toi. Voilà. Ça, c'est fait. Maintenant, je suis tranquille. Alors, il n'y a plus de sniper. Et il n'y a plus de tourelle. Voilà. Alors par contre j'avais trouvé l'entrée, je crois qu'elle était par là, je sais plus trop. De toute façon on va bien trouver, maintenant je suis tranquille, ok, ouais, le snipe. Là, elle était là. Bon alors par contre, ça serait bien que je trouve un peu de flotte. Parce que sinon ça va plutôt être critique. Ok, alors on a 9 morceaux de métal à récup. Qu'est-ce qu'on a à récup? 4 emblèmes, 9 morceaux de métal, une relique. Ok, ok. Et de la flotte aussi au passage, ça serait plus. Waouh, 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 waouh! Bon, ici, il faut que je trouve le. Faut que je trouve la molette. Alors, hop, on refait le tour. Les voitures des autres, tu peux pas les désosser ou les looter. Si, 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 donc ça, en fait, une fois qu'elles sont vides, tu les ramènes à la forteresse. Mais en fait, ça prend super longtemps, donc ça, je le fais plutôt, je le ferai plutôt en dernier, en fait. Où je serai plutôt axé déminage et récolte de. Et récolte de voitures. Par contre, là, ouais, je suis vraiment dans la mouise. Donc, on va essayer de se trouver un truc à manger, genre des vers ou une pâté pour chien, ou je sais pas, un truc quelconque, parce que là c'est rare. Pas de soucis, Team Lien, bonne soirée à toi, bonne nuit, ciao ciao. Donc là, on est vraiment en mode survie, là, par contre. Jerrycan, métal, bon, il n'y a pas de gugus pour l'instant. C'est plutôt pas mal. Quand tu meurs, tu repop à la forteresse. Et en gros, la forteresse, elle est là. Voilà. Donc ça fait un peu de trajet à faire, si tu veux. Donc bon, bah, tu récupères ta voiture, t'es full vie. Bon, par contre, tu récupères pas tes munitions, tu récupères pas la flotte, tu récupères pas grand chose. Mais du coup, c'est bon. Vu que t'as la bagnole, ça va, c'est pas trop loin. Ah, alors là, par contre, il y a du gus, il y a des balles. Ah, voilà, j'allais dire, si je m'en prends une, je suis mort. Donc voilà, c'est réglé. Encore un fail. Bah donc on revient. Hein. Alors je vais enfin pouvoir vérifier une question que je me posais déjà depuis un petit moment. C'est de savoir. Ah bah non. Tiens. Bizarre ça. Je suis revenu ici. D'accord. Bon bah j'ai rien dit alors de ce que tout à l'heure, à chaque fois que je suis mort, je suis revenu à la forteresse. Donc bah du coup c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Donc bah, ça répond en partie à ma question.
Tiens, regarde, ça va être marrant. Boom. Ouf, le coup de coude en pleine en pleine glotte là, pomme d'Adam, ça doit faire mal. Non, je pense pas être dans un event spécial pour avoir une retop ici, mais bon, pourquoi pas? Va-t-on savoir. Ouais, le gameplay, j'aime beaucoup. Par contre, j'aurais, à la rigueur, bon, vu qu'on peut pas jouer sur la difficulté, j'aurais plutôt vu plus d'ennemis moins puissants, histoire que ça fasse quand même des combats assez soutenus. Parce que là, c'est vraiment... 3-4 pélos qui sont en groupe, et puis après... Alors ça, par contre, les lances, j'adore. C'est énorme. Et en plus, il y en a indéfiniment. Et qui c'est qui me tire dessus, là? Il est où, le gars? Alors en fait, ce qui est fort avec les lances, c'est que les mecs, tu peux les embrocher. Et en fait, ça les fait exploser. Et ça, c'est la grande classe. C'est énorme. C'est assez énorme. Moi, j'adore. Alors, des munitions, ça par contre j'adore aussi, c'est plutôt cool. Gore, ouais, mais gore, mais excellent quoi. C'est monstrueusement bon quoi. Moi j'adore. Alors, par contre, avant que. Il me semblait avoir vu un... une deuxième. Ah oui, elle est là-haut. D'accord, ok. Alors, si elle est là-haut, je vais régler le problème. Tu veux jouer? Pas de problème, les mecs. Moi, c'est bon, moi, c'est franchement perso ce petit truc là, ce petit gameplay en plus, le fait de la lance et tout. J'adore. C'est pas grand chose, mais ça suffit pour te fendre la poire quoi, ça rappelle tout de suite l'esprit Mad Max quoi. Alors là en fait ok, j'ai utilisé une lance pour rien, parce que du coup voilà, je faisais le tour pour lancer pour l'emblème. Ok, j'arrive. Ouh, belle esquive. Ah, c'est bien fun quoi. Moi perso, moi j'aime beaucoup. C'est bon, je suis pas encore super OP pour les esquives et tout, mais ce petit rappel de Batman niveau combat, c'est plutôt fun. Alors ici c'est quoi? Des armes. Allez, on va prendre une. Qu'est-ce que c'est ce... Tiens, celle-là me plaît bien, celle-là. La masse avec les clous là.
Alors par contre, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, un gros souci, c'est que aucune durabilité, quoi. Tu tapes 5-6 fois avec, ça y est, c'est bon, c'est mort. Ah voilà, c'est ça que je voulais, la viande. Qu'est-ce que c'est? Oh, la pâtée pour chien. Mais bon appétit, bien sûr. Alors, par contre, je vais être obligé de faire un petit AFK. 5 minutes. Faut que je fasse sortir le chien. Elle est en train de s'exciter à tourner en rond là depuis tout à l'heure. Donc, hop, désolé, je fais une petite pause et j'arrive tout de suite à...
Désolé. Vraiment désolé. Voilà, la chienne en fait tournait pour sortir et en même temps elle foutait le bordel avec son bras. Apparemment, elle avait pas envie, elle voulait que ça soit une boule pour dormir dessus. Faut dire que c'est pas un petit toutou non plus. Salut Thomas la loutre, bienvenue à toi sur le stream et merci pour ton follow. Bienvenue dans la famille. Donc désolé pour ce petit AFK. Quand c'est pas les crashs, hein, c'est les AFK. Donc cette fois normalement si je me plante pas, il y a un boss par zone, donc on va se faire un petit boss. Donc le premier était assez chiant et assez puissant, mais rien d'exceptionnel. Donc on va voir à quoi s'attendre. Et en ce qui concerne donc les horaires de stream de ce soir, Thomas, ça sera 2 h du matin. Et comme ça, je donnerai la suite à mon ami Hydro. À moins qu'il veuille prendre un peu plus tôt, vers 1 h 30, pour faire du MGS. Mais écoute, c'est cool, merci, merci. C'est sympa. Sympa, les petits retours comme ça, c'est plutôt cool. Ça fait plaisir. C'est le stream en famille. Avec ma petite boîte. On va éviter les. On va éviter les marques. Les placements de produits. Donc, alors, j'en étais où? Qu'est-ce qu'il me restait à trouver? Une relique, une emblème de métal. Ok. Ah, de l'eau aussi, c'est pas mal. Salut Mamadi, comment vas-tu? Donc ça par contre on voit que ça marche, c'est l'augmentation de capacité pour trouver de la flotte. Ça c'est cool. Alors, normalement ça je sens que ça va être un boss. Il y a une cage, un truc dans le genre. Ça je sens que ça va se refermer derrière moi. Je vois des corps suspendus. Ah c'est brise-moignons. Donc bah c'est parti. On a... Ah donc c'est un boss. Just so I can pleasure myself with your twitching corpse. Ah oui, bah normal, hein, ça vient de sortir, donc voilà, bah en fait c'est exactement le même. Le même. Ah oui, d'accord. Ok. Donc voilà, en fait on voit en direct que. Ça fait vraiment très très mal. Hein. Et plus tard, on verra ça plus tard. D'accord, la première esquive ça va, la deuxième c'est pas le top. Ah bah ça marche bien quand il se fait cramer comme un grand. J'adore. Bon, par contre, j'ai plus de balles, ça c'est moins cool. Mais...
par contre, je suis déçu des boss en fait. Parce que le premier c'était exactement le même. Donc, même tout pareil, la même technique. Voilà, donc le premier boss c'était la même chose. Donc le premier boss c'était exactement le même, la même chose. Il n'y a que le terrain qui a changé, sinon la technique c'est la même. Grosse masse, t'esquives, tu lui mets une grosse patate chargée pour le déséquilibrer, tu lui en mets 5 derrière, et après t'esquives et tu recommences. Bon là il y avait les flammes. Un peu space. Moi j'aurais cru, je sais pas, qu'il me sortirait un autre truc. Alors bon, c'est la deuxième zone, donc peut-être que. Peut-être qu'on trouvera d'autres choses après, je ne sais pas. Faudra voir ce qu'il y avait. Donc là déjà, on va finir de fouiller. Ah, là je vois la dernière emblème. Ok. Ok, pas de soucis, Mamadi. Bon, en tout cas, c'était bien cool d'être passé faire un petit coucou, ça fait plaisir. Bonne soirée, bonne nuit, et puis bah écoute, bonne rentrée à toi. Alors, donc il me reste encore quoi à trouver? Du métal, apparemment. Alors, il y a là un pied de biche. Je m'en fous, je l'ai. Salut Nicocotte, bienvenue à toi sur le stream. Ah, Koff, pardon, j'ai cru que c'était DT. Merci pour ton follow Nicocoff, bienvenue à toi. Alors, ouais, rotation, les gens. Merci Alex Galinos pour ton follow, bienvenue à toi aussi. Ah, ok. Oui, on peut modifier l'armure. Alors ce qu'on appelle l'armure en fait, c'est que tu changes de blouson. Ah bon, bah ça veut dire que j'ai fait un 100%. Un de plus. Donc en fait tu changes de blouson, le blouson te donne en fait 5, 10, 20 et puis ainsi de suite de pourcent de réduction de dégâts. C'est un blouson, hein, tu sais pas en quoi il est fait mais... Bah écoute, moi perso Nico, franchement je suis en kiff dessus, hein. Moi je m'éclate bien, en plus je l'ai déjà dit mais je leur dis, ça c'est le genre de jeu où je prends plaisir à faire un 100% dessus et je vais pas me gêner. Donc je laisse quelques petits trucs à faire à gauche à droite et je repasserai en fin de game parce que genre par exemple il y a des sessions déminage mais pour pouvoir déminer il te faut un chien. Alors le chien t'en as un dès le début de la partie, mais alors faut pas me demander où il est atterri parce que j'en sais absolument rien. Donc du coup voilà, je suis un peu embêté à ce niveau là. Les courses de bagnole, bon, je les fais au fur et à mesure, je crois que j'en ai fait deux déjà. Ah non, il y a des courses, il y a les courses de voiture, et il y a les où tu dois détruire les mecs qui font des tours pour saccager tout le monde. Et du coup, c'est plutôt pas mal. Mais pour les courses de voiture, ça je le ferai plutôt à la fin, quand j'aurai bien boosté le... quand j'aurai bien boosté le... La voiture, hein, parce que là, petit V6, juste double dose de nitro, rien d'exceptionnel. So much water. Let him
Ok, il est avec le bossu du début. Bah oui, mais sauf que je vais pas spoil. Enfin, quoique, c'est en fait, si tu veux, la planque où t'es au début, elle est détruite. Et du coup, le bossu, il est dans ta voiture. Et le chien, on sait pas où il est. Alors il dit qu'il est dans le buggy du mec, mais tu sais pas où est son buggy, il est arrivé. Donc c'est plutôt embêtant. Donc je pense que il faudra sûrement que je refasse le truc. Donc voilà, là il y a les courses de voitures, mais ça je le ferai comme je dis à la fin pour pouvoir une fois que j'aurai vraiment vraiment une bagnole digne de ce nom. Donc effectivement la cachette elle est toujours d'actualité. Mais au début de l'histoire, elle explose. Alors je ne sais pas si elle est encore là, j'y suis jamais retourné. Mais ça, c'est pas grave, je le ferai après. Objectif de rencontre, détruire toutes les tanières de vautours. Ouais. Alors, on va y aller. Et on verra bien ce qu'il en est. Non, je l'ai pas fini le jeu. J'avance au fur et à mesure. J'avance au fur et à mesure de l'histoire, mais je fais tout. Je laisse rien passer. Je fais même déjà des allers-retours. Je reviens sur mes pas. Là, je viens de lui péter une jambe. Je fais des allers-retours sur mes pas. Pour justement repasser aux endroits où je ne pouvais pas accéder de base. Alors ça, ouais, ça c'est ramené à la forteresse. Moi je suis un accro du mode 100%, donc voilà, dès que je peux... dès que je peux, je le fais et... Salut Gravitox, hein, comment vas-tu? Ok, c'est quoi ça? Voilà, du carburant. Alors ça, voilà. Une fois que tu as libéré les places, en fait, les autres viennent. Ils récupèrent tout ce qu'ils peuvent récupérer de la forteresse pour la ramener à la forteresse. Et du coup, en même temps, toi, ça te fait gagner des pièces de métal qui te permettent après de booster un petit peu tout. Donc moi, j'essaye de stocker vers 1000-2000, puis quand j'en ai 2000, je les dépense. We're going to Dead Baron's Pass. Et tu les admins, toutes tes vidéos sur ta chaîne, sur la chaîne YouTube, ouais, il y a les précédents, let's play des runs que j'ai fait sur différents jeux. Donc t'as un run 100% sur l'ombre du Mordor, t'as un run 100% sur Dark Souls 1, Dark Souls 2, t'as quoi, non, sur Dark Souls 2 je suis à 95%, j'ai pas en vidéo, j'ai pas fait le Dark Lurker. Va dans la catégorie info. Il y a les jeux que j'ai déjà fait sur la chaîne. Et ceux qui ont été finis. Pour toi, je te veux, j'ai besoin de métal. Non, pas encore, c'est ma première journée. Et il faut que je vois ce qui se passe parce que depuis une petite semaine. Je n'arrive plus à upload. Je n'arrive plus à upload les vidéos. Keep the car safe. Bille, hein. Un brise-mâchoire, ça pique, hein. Allez, donne-moi ta caisse. Alors hop, on repart à la forteresse. Ah tiens, j'ai des infos. Ok, ça c'est bon, c'est fait. Ici, il ne reste que le champ de mine. Ouais, je sais pas pourquoi, mais du coup, Gravitox, c'est Mad Max. Du coup, je sais pas, il faut que je regarde, il faut que je jette un coup d'œil à savoir pourquoi j'arrive pas à uploader des vidéos sur YouTube. Alors, il y a des gens qui me disent que c'est parce que j'ai trop de vidéos. Ouais. J'en suis qu'à 360-370. Alors ok, j'avoue que les vidéos elles font entre 30 minutes et 9 heures, voire 11 pour certaines. Donc c'est peut-être pour ça, je sais pas. De toute façon j'ai des vidéos à retirer sur YouTube.
des vidéos qui, je dirais, entre guillemets, ne servent pas à grand chose. Donc là, cette bagnole là, je l'ai déjà, donc ça va pas me servir à grand chose de la ramener au camp, mais c'est juste que au moins j'ai du métal dessus. Et moi ça va tranquillou, Ramitox. J'avance dans mon petit let's play là jusque 2h du mat. Et je céderai ma place pour le grand retour de mon ami, collègue, collaborateur, streamer Hydro 7 pour du MGS Phantom Pain qu'on découvrira ensemble. Alors moi je vous accompagnerai pendant une petite demi-heure et puis après j'irai quand même me pioter hein, parce que stream demain à 10h oblige. Faut que je me repose. Il est où le Gugus? Non, il y en a qui ont plus de 1000 vidéos donc c'est pas ça. Ouais, je sais bien. Mais est-ce que par hasard il faut pas qu'il y ait un certain nombre d'abonnés, parce que bon, j'ai pas énormément d'abonnés sur YouTube, mes vidéos sont trop grandes en fait. Parce que rares sont les gens qui ont... rares sont les gens qui ont 9 heures à perdre pour regarder une vidéo de 9 heures. Non, toujours sur la même chaîne, Nico, je t'invite à consulter la catégorie info, tu vas voir, tu vas en apprendre plein sur la chaîne, tu comprendras mieux le principe. Il y a les biographies, les configs PC, les liens qui pourraient t'intéresser, les listes de jeux, les jeux finis, le top streamer pour ceux qui voudraient nous soutenir sur le top streamer, voilà, vous savez, énormément de choses. Les horaires de stream, les plannings de stream à la semaine, voilà, il y a vraiment énormément de trucs qui pourraient vous intéresser, hein, donc n'hésitez pas à la consulter. Elle est où la forteresse? Merde, d'être là-bas. Bon, sur YouTube, je sais pas, je joue 100, 105, un truc comme ça. J'en ai pas beaucoup des abonnés sur YouTube. Il faut que je refasse la chaîne YouTube avec des vidéos beaucoup plus courtes. Il faut que j'arrive à trancher les vidéos en une heure en fait. Par tranche d'une heure. Ok. Alors, là j'ai 1600. Là on a tout fait. Alors là il reste plus que le 104. Voilà. Merci Polochon. Ça c'est bon. Donc on a fait 3 territoires hein, quand on voit la carte. Hein, voilà. 3 territoires. J'ai mis quoi, 9h, 10h, à peu près 15h de stream pour faire 3 territoires, donc il y a eu énormément de fails, hein, donc ça montre un petit peu quand même que pour un run 100%, et encore je suis pas à 100% pour l'instant, vu que j'ai pas fait les champs de mine, que je ferai plus tard, j'ai pas fait les courses de voiture non plus. Salut Alex Galinos, bah écoute, je dirais que non. Pas spécialement un attrait vers Far Cry, je dirais plus que ça ressemble à... Merci Nico, c'est cool. Ça ressemble plus à un gameplay de l'ombre du Mordor et à un gameplay de Batman au niveau des combats. Donc alors, prochain territoire, et ben on va faire celui-là. Donc il me faut le ballon dirigeable, on va récupérer un peu de vie. Il n'y a pas de soucis Gravitox, merci, c'est cool. En tout cas, merci pour votre soutien, ça fait plaisir. Alors, c'est parti. Alors par contre, attends, faut que je regarde. Allez, c'est parti. Donc on va faire le troisième territoire. On va essayer de le faire avant 2h du mat. Ok,
Donc forcément, je retarde la quête principale en boucle, je fais tout, sans exception. Mais moi perso, voilà, je kiffe quoi. J'ai vachement bien accroché. Je m'attendais à moins bien parce qu'il y a eu quand même pas mal de controverses au niveau du jeu. Déjà, il est sorti pas très longtemps après le film. Mais des gens qui l'ont vu me disent qu'il y a strictement mais alors aucun rapport avec le film. Donc du coup, je vois pas trop l'intérêt de faire un jeu tiré d'un film s'il n'y a pas de... s'il n'y a pas de rapport. Wow. C'est Gollum. C'est un bossu en fait qui... C'est un bossu en fait qui est préparateur de qui est préparateur de bagnole et en fait il se balade avec toi, c'est ton mécano perso qui a apparemment des connexions un petit peu partout sur le territoire. Du coup il t'ouvre des portes comme la forteresse là tout à l'heure quand on est arrivé. Il est sorti sur quoi? PS4, Xbox et One, je crois qu'il sort dans 2 ou 3 jours. Mais je crois que je voudrais pas trop parler des dates de sortie console parce que je suis pas du tout au fait des sorties console parce que bah, du coup j'en ai pas pour l'instant. Et je voudrais pas vous induire en erreur. Il faudrait regarder plutôt sur les forums ou jeter un petit coup d'œil directement sur le net. Là, j'ai 3 morceaux de ferraille à ramasser. Après, pour l'instant, alors ceux qui ont vu le film, je vous demanderai de pas spoil, tout simplement parce que je n'ai pas vu le film. C'est un monde post-apocalyptique, hein. Il mange ce qu'il trouve, hein, Nico, hein. On peut pas tout faire. Hein. Salut Hérisson, bienvenue à toi sur le stream. Alors attends, on va déjà finir de fouiller, ça c'est un jerrycan d'essence. Salut Valentin, ça va, et toi, comment vas-tu? Ah, de l'eau, très bien, très très bien de l'eau. Et on mange ce qu'on peut, hein, voilà. Hein. Je pense que, d'ailleurs, ce qui est très, très sympathique, c'est que tu trouves des petites cartes postales, enfin des petits objets à récup. Et dessus, tout à l'heure, on est tombé sur une où ça disait « Il n'y a plus rien à bouffer, de toute façon, à la fin du monde, quand il n'y aura plus rien à bouffer, on mangera les cafards et les vers, et puis de toute façon, au bout d'un moment, on aura... on verra, on se souciera même plus de l'apparence et ça deviendra bon quoi. J'ai trouvé ça mais énorme. Grosse claque visuelle le film, faut pas y aller pour les dialogues par contre. Mais c'est vraiment pas ce qu'on lui demande. Ouais bah c'est du Mad Max quoi. C'est moi la barbe du mec pousse de plus en plus. Non, c'est toi. Parce que en fait tu choisis ce que tu veux. Tu choisis ce que tu veux y mettre comme barbe, alors si tu veux une grosse barbe comme ça, les cheveux longs, les cheveux courts. Donc ça c'est un petit ballon d'observation en fait, il faut y aller dès que tu rentres dans une zone, enfin, dès que vous rentrez dans une zone de façon à justement avec vos jumelles pouvoir faire le tour et débloquer les choses qu'il faudra que vous alliez voir après. Donc ça c'est le premier truc à faire dès que vous rentrez dans une nouvelle zone. Alors des fois il y a beaucoup de choses qui viennent, puis des fois moins. Sachant qu'il y en a d'autres
Il y en a d'autres qui se débloquent au fur et à mesure que vous passez à côté avec votre bagnole. Ok, bon, voilà, c'est fait. Paf, 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 paf. Voilà. Donc, ok, éliminer les menaces dans cette région pour réduire les patrouilles. Ah, et débloquer des améliorations pour la Magnum Opus. Donc la Magnum Opus, c'est votre bagnole. Faut pas trop chercher à comprendre, à savoir pourquoi ils l'ont appelé comme ça. Mais c'est votre titine. Alors par contre, la perte de temps, c'est qu'il faut redescendre. C'est long. Ah, ça c'est pareil, Nico, c'est dans la catégorie info. Pour le giveaway, j'offre une carte cadeau de 20 €. Donc, soit sur Steam, soit sur le PSN, soit sur Xbox Live. Et si un stand gaming fait des cartes cadeaux 20 €, bah, il y aura au choix. Donc, c'est au choix. Hein. Vous choisissez ce qui vous arrange le plus. Et je vous envoie le code une fois que vous m'avez envoyé votre adresse mail. Pour celui qui sera tiré au sort, bien sûr, pendant au moment où le giveaway tombera. Donc ça marche pour tous les streams de la chaîne, hein, y compris ceux d'Hydro7, il n'y a aucun souci. On vous envoie votre code le jour même ou au grand maximum le lendemain. Donc pour l'instant, il n'y en a pas des masses, parce que je suis pas très riche. Et il y en aura de plus en plus au fil du temps. Il y aura plein de moyens de vous faire gagner des giveaways par la suite. On a déjà commencé par augmenter notre communauté, décrocher ce partenariat Twitch. Et oui, oui, parce qu'en fait, si tu veux, quand tu commences le jeu, tu te fais braquer, en fait, tu te fais retourner, tu te fais piquer ta bagnole, et en fait, tu veux la récupérer. No surprises. Et du coup, tu trouves ce mec-là qui te dit, ouais, t'inquiète pas, je vais t'en faire une, pas de soucis, quoi. Bah, c'est bien de remercier ses viewers, sa communauté Ok, ah mais c'est bien, maintenant j'ai de la place pour 3 surins, ça c'est cool. Donc les petits surins, des petits canifs qui vous permettent de faire des bons finishes sur les mecs, c'est plutôt cool, plutôt fun aussi. C'est une bonne boucherie aussi le jeu, par contre à ce niveau-là il reprend bien le Mad Max quoi. Alors ça par contre, les éléments de projet, pour l'instant, j'en ai aucune idée, je récupère les éléments. Je pense que c'est ce qu'on me demande à chaque forteresse en fait. Hein. Au niveau des forteresses, on doit leur ramener des trucs pour avoir un deal avec eux. Et une fois que c'est fait, après je sais pas ce qu'on a. Alors ça sera vraiment de la découverte, ça aussi, tous ensemble. Alors, le petit smiley là, enfin le truc qui ressemble à un petit smiley en fait, c'est un mec qui s'appelle Griffa. Lui permet de booster les compétences primaires du perso, ça veut dire augmenter la vie, la force de frappe, ces choses comme ça. Combien vous ramassez de munitions, combien vous ramassez de flotte, donc ça on ira le voir une fois qu'on aura fini de vider le territoire. On verra ce qu'il en est. Ah,
Alors, il faut tout péter, hein. Tout ce qu'il y a sur la map, faut péter. Alors, on va déjà commencer à faire le tour, on va faire une petite spirale comme à mon habitude. Oh merde! Je vais jouer sur quoi? Sur quoi, c'est-à-dire? Bim! Ah bah, bim aussi, tiens. Ça, c'est trop beau. Sors de ta voiture, quoi. Ah, tu vas moi jouer ton malin, hein. Là, quand il n'y a plus personne dans la bagnole, hein. Aspirine, il va jouer sur quoi? Je comprends pas la question, Nico, en fait. Donc là, voilà, si je voulais les bagnoles, en fait, il faut que je les prenne. Ah, mon collègue, bah, il joue sur... là, ce soir, c'est MGS Phantom Pain sur PC. On est pour l'instant, on est axé PC, tout simplement, parce qu'on n'a pas encore les moyens, la communauté ou les dons pour pouvoir investir dans une console et pouvoir vous en fournir, vous en donner encore plus et toujours plus. Mais on espère que ça viendra, surtout en fait c'est même pas une question d'avoir une console, c'est une question de pouvoir jouer et de vous faire avoir les exclus en fait. J'ai vu que tu joueras à Battlefront, tu joues d'autres jeux de Star Wars, je me suis arrêté, le dernier que j'ai joué c'était celui sur Nintendo 64, tout simplement parce que les autres entre l'abonnement payant ça me bottait pas, et puis je trouve qu'ils se sont un peu ratés sur certains opus. Donc je suis très très attentif, je suis très très comment dirais en attente de ce dernier opus. Merci Gold Remix pour ton follow. C'était quoi ce Nico là, ce zizi festif là? Et puis les mages par contre, tu peux t'abstenir, il n'y a pas de nécessité. Donc ouais, j'espère que le Battlefront il sera plutôt plutôt fun. J'attends ça avec grande impatience en tout cas. J'attends ça avec grande impatience. Elle est loin la forteresse là. Oh, ça me saoule. Bon, les voitures, je les ferai plus tard. Je les ferai plus tard les voitures. Donc là-bas... Mais merci à toi, Goldronix. Merci d'augmenter notre communauté. Ça fait toujours plaisir. Ah, en soi, il est top. Il est vraiment top, quoi. Donc voilà, on vient de découvrir l'itinéraire de convoi, donc... Hein, je connais pas du tout Nico, aussi bien l'expression que la personne que tu décris. Désolé, je vais peut-être passer pour Ok, donc ça c'est fait, ça c'est la course, on verra plus tard. Rainbow Siege, on va pouvoir le voir tourner dans pas longtemps. J'ai réussi à choper une clé bêta fermée là aujourd'hui. Donc je pense que cette semaine il y aura peut-être stream en soirée du Rainbow Siege. Comment tu veux être modo, Nico? Bah écoute, tu es pareil dans la catégorie info, toujours pareil. Tu as à savoir... Oups! Petit sniper. À mon tour de jouer les snipers.
Oui, hein, tu joues moins ton malin là. Hein. Oh, you're not tango with Truman the Saint. J'attends le prochain CS, mais c'est pas pour tout de suite. Ouais, ouais. Bon, les Counter-Strike, moi j'ai arrêté aux sources. Alors, le global offensive est très beau, par contre. Mais pour dire la vérité, j'y ai pas joué. J'ai pas d'avis sur la question. Stay. Guard the car. Par contre, pour les gens qui aiment les montagnes et la campagne, ce jeu n'est pas fait pour vous. Ouais, j'ai regardé aussi XCOM 2 pour voir ce que ça donnait, il a l'air vraiment pas mal. Pas mal du tout, je me tâte encore à le préco. Je verrai ça plus tard. Je vais voir si je peux choper des retours, des autres choses que du trailer, parce que bon, trailer ils ont fait très fort, mais on n'a pas de gameplay. Et c'est bien beau d'essayer de vendre du rêve à la Sony ou quoi, mais c'est franchement, je trouve un peu abusé de montrer énormément de trucs et en fait en même temps de strictement rien montrer quoi. Moi c'est du gameplay quoi que je veux. Tac tac tac. Je m'en fous, je peux laisser la voiture. De toute façon, j'ai juste envoyé ma petite fusée éclairante. Et puis, il viendra me filer ça. Oui. D'accord, et bah Nico, tu viens décoper d'un timeout, ça te laissera 10 minutes pour aller lire la catégorie info. Et si tu commences comme ça, pour être modérateur, je pense que bah, t'as du souci à te faire. Donc tu vas prendre quelques minutes pour réfléchir et aller jeter un coup d'œil à la catégorie info. A tout à l'heure. Alors, elle est où cette décharge? C'est juste ça là? Bah, je sais pas, enfin tu sais, il y a dans la catégorie info, il y a les règles du chat quoi. C'est pas super compliqué à respecter quoi. Surtout quand en plus déjà on me pose pas la question et que on me pose un lien YouTube pour un mec qui s'appelle Super Connard. C'est déjà le genre de truc que je supporte pas quoi. Après libre à vous de faire ce que vous voulez. Oui, effectivement, un début dans la modération ça va être compliqué. Là. Pourtant c'est pas dur, hein. Il y a juste à demander pour envoyer les liens. À me dire de quoi ça parle, et après je vous donne mon accord. Si c'est oui, c'est oui, si c'est non, c'est non. Donc voilà. Ça laissera à notre ami Nico le temps de lire la catégorie info. Le pire, c'est qu'il y en a pour 10 minutes de lecture, quoi. Alors. Ouais, sur tous les chats, il y a la même règle. Effectivement. C'est à 95%, elle revient tout le temps. Bon, il est où le dernier truc que je dois trouver? C'est quoi d'ailleurs? Oh, putain, cette manette qui marche pas. Allez! Mais non, mais ça c'est le camp, je m'en fous moi. Va faire un saut XCOM 2, va faire un saut Gold Remix sur le lien Instant Gaming que tu as dans la catégorie info. Il doit être dans les prochaines sorties, en gros en première page quoi. Comme ça t'auras le trailer et tu verras de quoi ça parle. Bon, il est où le chose là?
pas possible, je vais pas le trouver. C'est quoi ça? Peut-être là-dedans? Non, y a rien qui brille. En plus, je sais pas ce que je dois ramasser ici. J'arrive pas à voir avec tous les... Ah si, une relique préhistorique. Ouais, bah, faut la trouver hein, par contre. Hein. Ok, bisous, pas de soucis, bonne soirée, bonne nuit à toi. Ciao, ciao. Bon alors, elle est où cette relique préhistorique? Ok. Alors là, il n'y a rien en dessous, au-dessus peut-être. Ah. J'ai vu quelque chose, non? Non, j'ai halluciné. Le truc dans l'espèce d'arche. Le truc dans l'espèce d'arche. Non, il faut être sur le chose là. C'est pas très loin, généralement c'est pas très loin de là où il y a la marque sur les minimaps. Alors l'espèce d'arche, ça doit être ça. Il y a un truc là qui se balade que j'aurais pas vu. Là, je vois rien. Là, il y a rien. De toute façon, généralement ça c'est les trucs que je ramasse par terre. Donc, Ok. Là, il n'y a rien non plus. Pas de soucis, pas de soucis. Donc ça, il n'y a pas de soucis. Bon. Alors, peut-être qu'avec la tempête de sable, je sais pas, c'est parti faire un tour. Parce que là, je voyais des trucs qui tombent. Ok, alors voyons voir de l'autre côté, qu'est-ce que ça donne. Si jamais, c'est peut-être un petit peu excentré. J'ai fait un tour sur ta chaîne YouTube et je trouve que tes vidéos sont quand même assez courtes. Lol. Moyenne des vidéos, 6 heures, mais... Effectivement, ça doit être assez court. Il y en a quelques-unes de 15 minutes ou 30 minutes, mais la plupart elles font plus que ça. Il y a un petit décalage. Oui, il y a toujours un décalage de 10 à 30 secondes. Gravitox. Je vais laisser ça pour l'instant, ça m'embête un petit peu de ne pas avoir trouvé là. Ah, j'aime pas ça. J'aime pas ça. J'aime pas quand je trouve pas ce que je cherche. Ça m'agace. Donc, là y a rien, là y a rien. Ok, pas de soucis, Gold Remix, bonne soirée à toi, bonne nuit. Et puis bah écoute, hein, bonne rentrée à toi aussi. Tu peux monter sur le mât. Salut Nexus Vortex, sur le mât. Ah oui, peut-être, effectivement. Peut-être. Bien vu, bien vu. J'avais même pas pensé à ça. GG Nexus.
GG Nexus. J'avais pas du tout pensé à Oma. I doubt a fiberglass helmet would stop a bullet. Yeah, he probably didn't survive long. Ok, c'est cool. Alors, par contre, le mec, quand il court, tu vois pas trop la différence quand il marche. C'est enfin, physiquement, tu vois la différence, mais au niveau de la vitesse, tu y a pas spécialement de différence. C'est assez space. Alors, ma titine, elle est là. I see. You're back now. Depuis quand t'es passé au bleu, toi? Ok, c'est pas grave. Tac. Ah, tiens, j'ai pas de trajet pour y aller. C'est quoi le délire? Pourquoi j'ai pas de trajet pour aller où je veux, là? Allô? Ok. Déplacement rapide. Ah, on peut se faire du déplacement rapide. Ok. Ouais, mais non, c'est mort. Je peux pas faire du déplacement rapide. Pourquoi j'ai plus de... Là, je comprends pas, là. Là, c'est un repère. Ok. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai plus de repères sur la map. Peut-être parce que je suis pas sur une route. Je peux pas faire du donut par terre. Tu devrais mettre une casquette à ton perso, il risque l'insolation. Ouais, c'est pas faux, ouais. Enfin, même avec 20% de recharge, c'est trop long à recharger le harpon. C'est dommage. Pour les courses de voiture, ça peut être super pratique. C'est quoi ça? Objectif de rencontre. Mais il y en a plusieurs. Alors ça, on ira plus tard. Ça, c'est pareil, on va se les garder vers la fin. Tac. Et pour l'instant, je sais pas, j'ai pas déverrouillé de casque, de casquette, truc dans le genre. J'ai déverrouillé des blousons. vous me pardonnez, j'espère. Ah, si on t'avait pas pardonné, on t'aurait pas time out. On t'aurait ban direct, mon ami Nico. Y'a pas de soucis. Ça arrive à tout le monde. J'espère que t'as eu le temps de consulter la catégorie info. Ouais, t'inquiète, je vais venir, mais je vais pas venir pour mourir. Ok, Panté mort. Ça m'a titillé pourtant. L'essence, ok, l'essence on s'en fout un peu. C'est pas ce que je veux en premier. D'accord, ok. On a juste une échelle. J'ai même pas fait gaffe à ça, pour te dire la vérité, j'ai même pas regardé, je crois, ouais. En tout cas, ça fait de la fumée, mais j'ai pas fait gaffe.
C'est sûrement, mais tu me dis ça sûrement parce que je t'ai dit je peux pas faire de donuts. Ah tiens, une voiture. Elle est pas mal celle-là. J'aime beaucoup le moteur par contre. C'est dommage, je pourrais pas l'embarquer tout de suite. Une palette de ferraille. Ah oui, 43 morceaux, pas mal. Pas mal. Ça va bien m'aider pour booster la voiture. J'ai jamais lu autant de ma vie, mort de rire. Ça va, c'est 10 minutes de lecture, hein, c'est pas un roman hein, que je vous ai écrit. Mais au moins, vous êtes informé de tout, tout, tout. Alors ça, par contre, c'est cool, des munitions. Une cartouche de fusil, ok. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à trouver ici? Ferraille, une. Peux-tu créer quoi? Les armes? Non. Les armes, elles sont débloquées automatiquement. Le fusil à pompe, tu le récupères dès le début sur un mec. Et en ce qui concerne les munitions, moi aussi je me pose la question et je me dis que ça serait plutôt cool de pouvoir crafter ces balles. Parce qu'il faut voir que t'en récupères pas. Même si j'ai boosté le truc pour récupérer plus de munitions, j'ai pas l'impression d'en ramasser des masses. Donc ouais, effectivement, ça serait plutôt cool si je pouvais crafter au moins les balles. Ça serait génial. Les armes, c'est pas grave. Les balles, ça serait plutôt sympa. Ok. Donc ça c'est... Ah bah voilà. Il est là. Mais t'inquiète pas, Nico. Il y a du MGS. Et puis je reviens à 10h du matin pour la suite de Mad Max. Là où il n'y a rien, je l'ai fait. De toute façon, ici, ça y est, c'est bon, j'ai tout fait ici. Il n'y a que du carburant. Oui, si je prends pas ma voiture, ça va pas aller. De toute façon, des heures de Mad Max, on va en manger. Hein. Vu que je compte faire 100%, on va avoir de quoi faire. Hein. Le cadavre, il y avait un truc dessus. Ouais, mais si c'est une arme en fait. Et l'arme, dès que je monte dans la voiture, je la lâche devant la voiture. Donc c'est pas super cool. Ça sert pas à grand chose de la ramasser en fait. Donc effectivement, tu laisses des traces très 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 légères. Pas de soucis, Graviton, bonne nuit à toi, merci. Ciao. Stay put. Y a-t-il une monnaie dans le jeu ou y a juste la ferraille? À propos de l'essence, elle se vide jamais? Si, mais c'est parce que j'ai boosté la capacité de justement économiser la perte d'essence. C'est pour ça que j'en consomme presque pas. Mais si, elle se consomme. Hein. La preuve, c'est que là, je suis à un quart du réservoir, mais tu vois, j'ai mon petit jerrycan, mon petit bossu est assis dessus. Et non, la monnaie du jeu n'est que en...
n'est que en ferraille en fait. Tout ce que tu fais dans le jeu, c'est de la ferraille. C'est l'équivalent de Dark Souls avec les âmes, avec une seule monnaie. Get your piston down, sharpshooter. Il est énorme ce snipe, par contre, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc ici c'est fait, alors il me reste quoi? Ça niveau 2, ça niveau 2. Champ de score but, ok. La butte des épaves. Hein. Je m'étonne, il doit être cramé. Ouais. C'est même plus des coups de soleil, il doit être cramé le gars. Ok, bon bah ici il n'y avait pas spécialement grand chose à faire en fait dans ce patelin. Faudra que je me balade, peut-être trouver d'autres trucs. Hop, c'est parti. Scroder's convoys carry oil and fuel. If they see some rolling, Scroder's power is weakened. Ça aère un peu le moteur. On y vient, la mission principale, tranquillement. Tranquillement. Je vide tout. Je vais bien finir par arriver dessus de toute façon. Sur ta caisse, c'est un Warboy. Non, c'est le dessus sur ma voiture, Alex. Donc là. Du sniper. Alors par contre, ce qui est dommage, ce qui est vraiment dommage, c'est que le snipe, tu peux. Ah, Wendigo. Salut Flory. Ce qui est dommage, c'est que le snipe, tu peux l'utiliser que. Wow. C'est quoi ça? Ah, je vais me faire carter par un mec. Sors ta voiture et laisse-moi tranquille, toi. Ok, bon la bagnole elle a pris très cher, vas-y répare la voiture lui. Allez, répare la voiture. My black fingers itch for sacred work. Hop. Alors, je suppose qu'il doit y avoir voilà, encore des snipes. That shouldn't be a problem. Touché. Hey, je te vois pas, loulou. Ah, mais si, t'es là-haut. Bon, ça suffit. Ah, mais j'ai plus de balles. Ah, d'accord. Ouais, voilà, y a pas. J'ai beau. Salut, Vox. J'ai école, j'arrive pas à dormir. Ok, on va aller s'occuper de la deuxième.
Alors là, il n'y a pas de snipe. Il n'y a plus de snipe. Ok, ça c'est cool. Par contre, j'ai pris très très cher. On va boire un petit coup. Ouais, par contre, voilà quoi, c'est bien beau d'augmenter la vie et d'augmenter la gourde, mais une jauge de vie, c'est un plan de flotte, quoi. Tu vas être frais. Ça va être bon, ça. Ça doit faire mal. De l'essence. Bah, de l'essence, ça tombe très bien. Je vais en avoir besoin pour recharger un petit peu la voiture. Ouais, tu diras que c'est de la faute d'Aspirine, c'est pas grave. Puis t'as pas de chance, parce que après c'est Hydro qui prend la suite avec MGS. Allez, 4 réservoirs, une relique, 4 emblèmes, 7 ferrailles. Allez, venez les gars, je vous attends. Ok, Imox, bah écoute, bonne soirée, bonne nuit à toi. Salut Théo. Pas de soucis, Alex. Bonne rentrée à vous deux. Ciao, ciao, bonne nuit. Un petit surin, j'ai encore de la place pour en stocker. Ok. Ah, alors ça. Ça, c'est pas encore. Il y aura un truc pour rentrer quelque part. Ça doit être de l'autre côté. Ça, c'est de là d'où je viens. Ok. Ah, de l'eau. Ça, c'est cool. Ça sera toujours cette prime, tiens et hop. Porte requiert explosion. Ouais, ok, il y a plein de trucs, mais par où qu'on rentre?
Ok, alors là on a une échelle. Ouais. Ok. Le fusil à pompe, tu sais que tu tires aux pompes, hein, y a pas de problème. Hein. Du bruit. Le suplex de fou, quoi. Eh, c'est bon là. Ah, on blague moins là. Il va me falloir un peu plus de flotte par contre. Par contre, c'est cool, j'ai un peu plus de balles que d'habitude. Non, bon, toi, je vais pas, pas utiliser une balle pour toi. Hop, un petit jerrycan. Encore 3 à péter. Alors attends. Faut que je fouille parce que là je suis en train de passer à côté de pas mal de trucs là. Oula, il y a du jerrycan ici. C'est bon à savoir si je veux faire le plan. Ok. Là, il n'y a pas de shuriken. Ok, là ici on a rien. Ça c'est par là que j'arrive, je crois. Ok, bon bah y'a rien. J'ai oublié un réservoir en bas. Ok, tiens, c'est quoi ça? Mais je suis déjà passé par là. Il y a même des trucs, une échelle. D'accord.
Ok, c'est bon, c'est fait. Ça là, et l'échelle, elle doit être par là. Ici, il n'y a rien. Un petit peu labyrinthique, plutôt sympa pour l'explo, pas trop simple, pas trop dur, c'est cool. Tiens, là il y en a une autre. Là il faut passer entre deux trucs. Ok Polochon, bonne soirée à toi, ciao ciao. Ok, ça c'est ma porte d'entrée. D'accord. Alors là, je sais pas trop où je vais, mais j'y vais. Ok, bon, ça c'est cool. Pas passé pour rien. Tiens, des balles, ça aussi c'est cool, surtout des balles de snipe, c'est génial. Ah oui d'accord, j'en ai pas trouvé beaucoup de la ferraille. Tout. Oh, tiens, là je vois une emblème. Ah, bah, des réservoirs aussi au passage que j'avais pas vu. Ok, les réservoirs c'est pété, l'emblème à la côté, je viens de voir le passage où je dois aller pour aller récupérer le reste. 50%, c'est un peu léger. C'est par là qu'on passe. Non. Oui, non, non, oui, non. C'était pas par là. Alors là, il y a une échelle que j'avais pas vue. Il me reste beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs à trouver ici. Plutôt compliqué là. Ok, ça c'est les jerrycans. Ouais, comment on fait pour aller en bas là? Ah bah par là, tout simplement. Si on trouve pas par en dessous, on trouvera par au-dessus. Et le reste, je pense savoir où c'est. Faut juste que j'y arrive, par contre.
Salut Nick Jew. A priori, des retours que j'en ai eus, non, rien à voir. Non, t'avais pas vu, je t'avais pas vu toi, je crois. Si, si. Ok, alors attends. On va descendre. Ça, ok, ici c'est fait. Il y avait des réservoirs. Ouais, mais non. Alors. C'est quoi ici? Bah, c'est quoi ici? C'est exactement ce que je cherchais en fait. C'est peut-être un bon endroit pour nous planquer si les routes du sud sont bloquées. Blablabla. Ok. That'd be the first place I'd look. Merci Nijo pour ton follow. Bienvenue à toi. Alors, par contre, il me reste encore quelque chose à trouver. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Moi, j'ai rien pigé. Est-ce que t'as vu les trois premiers Ninjou aussi? Bon, oh, putain, allez, marche là, la manette, c'est pas possible. Voilà, il y a juste un morceau de ferraille à trouver. Alors, bah, il me semble que j'ai tout fouillé, mais apparemment, bah non. Sinon, il me dirait pas qu'il m'en reste encore un à trouver. Ça, ok, ok, hop. Ici, ok. Il y en a 4 Ninju avec celui qui est sorti. Ok, là il y a rien. Donc, où est-ce que je vais le trouver? Peut-être pour ça que t'as rien compris en fait. Ok, on repart. Ça, c'est le début. Ouais, effectivement, c'est pas faux non plus. Il n'y a pas grand chose à en dire hein, de l'histoire. C'est l'histoire basique. Hein. C'est une histoire de survie au milieu post-apocalyptique. Oh, mais c'est pas possible. Je vais repasser combien de fois, quoi? Je vais repasser combien de fois au même endroit en espérant trouver des trucs? Non! Ok, une loupiote. Ici, il n'y a rien. J'ai déjà tout fait péter. Là, il n'y a rien. Là-bas, bah, je crois qu'il n'y a rien non plus. Ah bah si, il est là. Voilà. Trouvé. Ainsi, tu regardais les 4. Pour le dernier, ça va être compliqué, hein, vu qu'il est sorti il n'y a pas longtemps. En ce qui concerne les 3 premiers, je pense que sur le net, tu devrais trouver. Et non, parce que du coup, je suis pas... Je suis pas adepte des sites comme ça.
Et encore moins sur les, sur, encore moins sur ma chaîne de stream. Donc ok, ça y est, c'est bon, j'ai trouvé. Maintenant, il n'y a plus qu'à s'en aller. On va sortir par là. Hein. Ah. Encore aurait-il fallu que ce soit une sortie. Ah, c'est le dernier. C'est le dernier. Par où qu'on sort, s'il vous plaît? Par là. Hey, the car! Ah non, c'est pas une... ouais, un reboot, ouais, je sais pas. Effectivement, vu les années qui ont... vu les années qu'ils ont eu d'écart entre chaque épisode, pourquoi pas, mais... ok, ok, donc là, il reste quoi? Le convoi, le camp. Ok, donc il est 2h moins 20, je commence à avoir un mal de crâne énorme, je ne sais pas, Hydro tué parmi nous, Hydro 7, Aspirine appelle Hydro. Alors, je ne sais pas si Hydro est là ou pas. Oui, je suis là. Tu veux prendre la suite tout de suite? Donc ici, on a presque fini. Donc ben voilà, hein, la prochaine territoire, c'est la quête principale. Le premier date de quand? Très vieux. Très très vieux. Je sais pas la date exacte du premier. Ah ok, pas de soucis, pas de soucis. Ben, on va continuer un petit poil, on va avancer. On va avancer tranquille. Voilà, j'allais dire 80, tu vois, tu m'as devancé, donc ça. Donc, hop, on va ici. Bah, je te laisse setup OBS, je vais. Je passe pas là. Bah non. Salut, super soldat. Ah bah oui, c'est vieux. Hein. Je sais pas trop à quoi tu t'attendais, mais effectivement, c'est vieux. C'est pas tout jeune, hein, Mad Max. Dernier camp. Ah, par contre, il y a un peu d'eau par là, ça m'intéresse. S'il en reste. Bah non, t'es plus le dernier follow. Yes, gladly. It is my sacred place. De l'eau. Sympa, ah, là. Que j'ai plus d'eau. Ah oui, les Mad Max, oui, effectivement, ouais, c'est mythique à fond. Ouais.
Voilà, on va pomper ce qui reste. Hop. Turner, Tina Turner. On va redescendre par là. Alors c'est trop fort, il y a des fois le mec il saute, il fait des roulades et tout, et puis il y a des fois il se pète une jambe. On a récupéré une ou deux balles de snipe, je pense que ça devrait suffire pour pouvoir... avancer dans le truc là. Enfin, du moins essayer sans se faire trucider. Réservoir presque vide, ouais, bah, il est pas vide encore. Bim. T'as mangé là. Viens là, toi. Ah, je l'ai raté. Encore. Ah. Allez, bon, ben on est parti pour la course de voiture, alors si j'ai bien compris. Voilà, boum. Et tu as acheté ce jeu pour voir ce que c'était ou tu aimais bien le film? Les deux. J'adore l'univers de Mad Max et le jeu était plutôt cool. Les Mad Max étaient mieux quand j'étais pas né. Mais rien ne t'empêche de les voir maintenant que t'es né. Mais j'ai pas vu le 4. Tiens, bah très bien. Il y a un petit jerrycan là. On va refaire le plein de la titine. Mais non, mais qu'est-ce que tu me fais, toi? Repose-moi le jerrycan. Bon, bah vas-y, fais le plein. Alors. On remettra l'autre après, c'est pas grave. Alors, tu tires pas? Eh oui, Pan, t'es mort. Empty. Alors, hop, on va finir de faire le plan. Et on va stocker le reste. Par contre, un plan, ça serait bien aussi. Oui, ça serait bien que je parle au mec aussi. Ce serait plutôt pas mal. Sit tight. Dune Drifter, we know of your deeds here.
We smelly, dirty, unaffiliated sandbugs know you somehow got reason to mess with Warlord Scroder's caca. Accept our praise and hear me now. That big camp, they call it Summarine. It's big time important to the Warlord. If you're looking to attack it, there's two entrances inside. Beware their belter, though. When he starts yelling, they all mad. T'as pas de lecteur DVD chez toi, super soldat? Pas de portail pour rentrer dans le camp, front d'un molotov protégeant le feu de camp, ok. Balles de sniper, ouais, mais il ne reste pas des masses non plus. I remember those colors. Ah, c'est toi. Sors de ta voiture, toi. Ne prends pas le mou. J'ai plus de balles. C'est abusé. Le harpon à travers le pare-brise, c'est assez énorme. Ouais, ça aussi, c'est assez énorme. Vraiment, je suis tranquille. Apparemment, il n'y a plus de sniper. Ok, vas-y, répare. Mais c'est énorme. Oh, une tempête de sable, génial. Bonne nuit, super soldat. Ça c'est de la tempête, hein. C'est pas de la tempête qui descend. Ça irait par la belle voie sous la foudre. Ah bah je crois qu'elle a pris la voiture. Bah moi aussi j'ai pris la voiture. Bizarrement.
cacher, hein, tout simplement, parce qu'ils disent qu'ils peuvent se cacher. Vu les éclairs et comment tu meurs. Donc, tu ne poses pas trop la question. Par contre, je sais pas combien de temps ça dure, mais ça m'a l'air plutôt efficace. Personne de gravité à la bonne heure. Parce qu'on ne jamais, vous n'allez jamais sur le toit. Au début t'es obligé de le faire à la base, après tu peux le faire n'importe où, genre là je peux le faire, là, bah tiens d'ailleurs j'ai 2000. Mais ah si ça y est j'ai débloqué le nouveau bouclier. J'ai pas encore le blindage. J'ai pas encore de nouveau moteur. Ni pas de nouveaux échappements, en fait j'ai rien, je suis déjà au maximum en fait de ce que je peux faire sur la voiture. Y'a que le NOS. Allez, vu que c'est le seul truc que je peux faire. Ah si, tiens, je peux faire ça aussi. Ok. Mais ça coûte super cher. $900, ah oui. Ok. Bon, ça c'est même pas les harpons de feu, c'est même pas débloqué. Après ça c'est des brûleurs latéraux. Je sais même pas à quoi ça sert. Vitesse de réparation, on s'en fout. Ça je l'ai acheté, mais... quand tu vois le dégât... C'est quoi ça? Carrosserie? Changer la carrosserie pour... Pouvez-vous acheter et installer ça? Ouais, vas-y, fais voir. Ah mais c'est laid! Ouais, quoique. Ouais, je préfère la mienne. Ouais, ça c'est des peintures carrosserie, on s'en fout complet en fait. Alors ça? Ouh, c'est moche. Ouais, ça c'est pas mal, couleur rouille. Ça fait vraiment post-apocalyptique, mais ça c'est plutôt pas mal. Ça, ça c'est les autocollants.
Ouais, mais non, ça on s'en fout, tu vois, ça c'est des trucs que tu dépenses de. Tu dépenses de la ferraille pour rien en fait. Ça c'est des trucs que tu débloques quand tu défonces les mecs là qui tournent autour là, les clans. Ça je le ferai plus tard. Bon, du coup, ça a toujours pas réglé mon problème. Je croyais que ça allait faire passer le temps plus vite, mais non, du coup, c'est pas cool. Ah oui, c'est vrai que l'autre il se barre quand t'es plus à côté. Oh bah non, il est là. Ah, ça y est? Ouais. Wow. Ça y est, la tempête est finie. Du coup, j'ai tout dépensé, j'ai même pas upgrade mon perso au passage. J'irai tout à l'heure. Je vais déjà finir de détruire les tourelles. J'attends qu'Hydro me donne le top départ. Je l'ai raté. On va continuer à faire le tour du camp. Ben voilà, sans manière. Pas de petite loupiote, donc du coup je vois pas de snipe, mais je crois que j'ai fait tout le tour de la base. On va faire un petit tour histoire d'être safe. Ok, bon bah c'est bon, j'ai fait le tour. Alors, vas-y, vas-y, je vais clean la zone. Et puis on s'arrêtera après le fait d'avoir vidé la base. Donc, éliminer la légion de Scorbut, 12 guerriers, 4 emblèmes, 6 ferrailles et une pièce détachée. C'est parti. Et c'est bon. Non, bon. Hop. Ah oui, mon gars. Ça t'apprendra de jouer du tam-tam pour motiver tes troupes sur un bidon d'essence, quoi. Alors, voyons voir la hop, pied de biche. Alors, une enseigne. C'est bizarre, ça comptabilise pas. Ah là 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 là, ce bouton de manette. Une emblème, une ferraille. Ah bah, je suis pas rendu.
De l'essence, de l'essence, de l'essence. Ok. Ok, ça c'est bon. Ah, de l'eau, ça par contre c'est cool. Ok, on en trouve des trucs assez facilement au début. À la fin, c'est un peu moins facile. Merci Big Pack pour ton follow, bienvenue à toi. Je sais pas ce qu'il y a en bas. Ah, d'accord. C'est peut-être pas le bon plan. Ok. C'est la cam ou la démission, lol. Hop. Ouais, par contre j'ai plus le décompte, c'est un peu bizarre. Moi je stream avec OBS. Une emblème, deux ferrailles et six mecs. Ok. Qu'est-ce que j'adore quand il leur tape des suplexes comme ça. Ça goûte combien OBS? C'est gratuit. Salut Pix. Ah ouais, le jeu il est vraiment excellent. En tout cas c'est bien sympa ton petit ton petit passage là pour faire un petit coucou, c'est cool. Merci, merci. Ouch, les cervicales, ouais, tu m'étonnes. Parce que je voudrais stream et je sais pas trop comment faire pour mettre les bannières, etc. Bah ça, les bannières, tu le fais manuellement. Hein. Il faudra que t'aies des modérateurs pour plus tard. Sinon, voilà, bah, comme l'a dit Luxa, tu peux très bien trouver des petits tutos sur le net. C'est plus simple en fait. C'est bon, la cam marche, c'est quand je veux. Bah écoute, je finis la zone là. J'ai juste à trouver les deux derniers trucs et après, bah, voilà. Ça sera à toi. Il me reste une emblème et un morceau de métal, je crois. Un morceau de métal, je l'ai trouvé. Normalement. Voilà, c'est ça. Il manque plus qu'une emblème. Alors par contre, je ne sais pas où je vais la trouver, l'emblème. Mais de rien, avec plaisir. Avec plaisir. Alors par contre, l'emblème, où est-ce que je vais la trouver? Elle est comment ma voiture sur Mad Max? Bah attends, je vais te la montrer après. J'attends juste qu'il faut que je trouve ma dernière emblème. Ok, ça c'est un. Ok, là c'est là où je suis arrivé. Ok.
Alors, voyons voir. On va faire un petit tour par l'extérieur. Ah, et puis la chienne qui veut sortir, hein, d'ailleurs. Dis-moi qu'il me reste une balle. Yeah! On dirait la tête d'un poisson, le truc qui sort. Pas de soucis, Pix, pas de soucis. Bonne soirée à toi, bonne rentrée. Éclate-toi bien. Donc, ma titine. Et hop, pète-toi une jambe. Voilà, on a essayé de péter une jambe. Allez, il court. Oh, porc et pic, ouais, ça commence en fait. Il y a quelques petits pics, mais bon, il n'y en a pas des masses. Hein. Regarde, tu vois, hein, c'est pas énorme. Donc, par contre, on va se mettre dans le camp. Maintenant, on peut rentrer. Ah non, il n'y a pas de portail pour rentrer, c'est vrai. On va rester là, hein, tout simplement. Je sais même pas où je vais. Don't stray. Merci, merci, toi aussi, Luxa. Bonne nuit à toi. Éclate-toi bien. Merci, merci pour la soirée. Donc, bah écoutez, voilà, hein, c'est ce qui clôture le stream sur Mad Max de ce soir. Donc, je vous invite à rester en ligne, hein, car tout de suite, on va passer sur du MGS avec Hydro 7 aux commandes. Donc, je vous invite, hein, merci à tous les nouveaux follow, à tous les nouveaux followers, tous les nouveaux viewers. Donc je vous invite à consulter la catégorie info pour en apprendre plus sur la chaîne, donc petite biographie, les plannings, les horaires, les configs PC, les listes de jeux, les jeux déjà finis, le lien pour nous soutenir sur le top streamer, n'hésitez pas, hein, faut voter, hein, faut nous aider à essayer de nous upgrade, si je peux dire ça comme ça, en tant que streamer français, hein, parce qu'on n'est pas très très nombreux. Vous avez aussi le lien pour faire des dons si vous voulez nous soutenir financièrement pour pouvoir au cas échéant sponsoriser l'achat de mon écran qui commence à faire pâle figure, ou sinon pour nous aider à acheter d'autres jeux ou du meilleur matériel pour améliorer les streams. Vous avez un stand gaming, PSN, Xbox Live, YouTube, Twitter, enfin voilà, j'en passe et des meilleurs, vous en avez plein, donc je vous invite à la consulter, hein, il y en a pour 10 petites minutes de lecture. Sur ce, bah écoutez, j'espère que ce stream supplémentaire, hein, vous aura fait plaisir. Je pense que cette semaine, on va en avoir quelques-uns. Parce que, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, j'ai reçu une clé pour la bêta fermée de Tom Clancy Rainbow Siege. Donc du coup, je vais peut-être faire Mad Max la journée et Rainbow Siege le soir, où je vais m'arranger. Le lundi, on va refaire un petit saut sur Ark, parce qu'on me demande d'y faire un saut, et puis il y a eu un ou deux patchs, donc il faut qu'on voit un petit peu les dinos qui sont sortis, on va aller tamer, continuer un petit peu l'arène qu'on avait commencé. Donc voilà un petit peu pour les informations de fin de stream, comme à mon habitude. Donc écoutez, bah, restez sur place, une petite coupure stream de quoi 30 secondes, 1 minute grand maximum, et donc Hydro nous présentera la découverte de MGS Phantom Pain en mode hard pour un run à 100% aussi. Donc bah écoutez, voilà, je vous fais plein de bisous à tous, je vous souhaite une bonne soirée en compagnie d'Hydro, bonne nuit à ceux qui vont se coucher, et puis je vous dis à demain. Ciao, ciao.